Salut à tous, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le rasage traditionnel. Aujourd'hui on va utiliser une chavette Kamizori. Donc celle-là c'est la Shibumi de chez Goodfellas Mare. Donc dedans c'est une lame Twist Platinum. Hop, elle est déjà insérée dedans. Pour le savon, aujourd'hui ce sera le Abysso. J'ai goûté la smile aussi. Et la brosse sera du coup encore un Yaki en 24. Donc couleur galactique. Plutôt pas mal. Hop, un petit peu de visage. Hop. Alors voilà un petit peu la gueule du savon. Donc il est vraiment tout noir, donc c'est classe. L'odeur, c'est un peu une odeur marine. L'odeur exacte, je pourrais pas vous la dire. Mais ouais, il y a vraiment une odeur assez marine. Donc, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans exactement. Non, pas mis. Donc j'ai regardé directement sur internet. Le petit montage. Petit bol fine. Et voilà. Ça n'en met trop non plus. Donc vraiment tout seul, c'est un bon savon. Très belle mousse. Je crois que c'était peut-être la meilleure mousse que j'ai pour l'instant. Hop, le Kamizori. Donc, garçon chavette, comme je disais. Donc, normalement, Kamizori, c'est comme un coup de chou, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça ressemble à ça, mais sauf que c'est une lame comme un coup de chou, etc. Donc, là, c'est en version chavette. Et c'est vraiment pas mal. Avoir un goût du maintien, normalement, c'est bon. On va faire comme ça directement. Non, ça sert à rien, c'est pas ce que j'ai la main qui a glissé. Donc ça, la glisse, ça est pas mal. Et
Et le rasoir lui-même aussi, ça va, il est léger, etc. Bon, à part une petite coupure là, mais bon, ça sert à rien, ça va partir. Ça, c'est une erreur de ma part, c'est pas par rapport au rasoir. Un peu, hein. Putain, c'est pas loupé. Voilà, on se retrouve pour la deuxième passe. Donc voilà, on va passer par la deuxième passe. Donc, comme d'habitude, avec une chavette, au niveau du cou, je vais faire du bas vers le haut. C'est foutu partout. Hein. Du bas vers le haut, les joues sur les côtés. Et à la fin, je verrai si je peux passer sens contraire sur les joues. Comme ça, j'aurai fait les joues complètes. Le coup, je préfère pas, on sait jamais. Hop, on va commencer là. Ouais, sinon franchement le rasoir là franchement c'est une tuerie hein. Il a un bon maintien, il a un bon poids, une bonne glisse. Et franchement c'est top. Après, niveau polyvalence, il est pas mal aussi parce que c'est vrai qu'on peut prendre dans tous les sens. Donc, ça, c'est pas mal pour. Ça change un petit peu de la chavette. Et du coupe-chou. C'est vrai qu'en général, même avec le coupe-chou, on a du mal à aller à certains endroits. Donc, voilà, si on prend du gris, on est comme ça. Puis, arrive ici, en fait, voilà. Là, on voit plus rien, malheureusement. Pareil pour les côtés, c'est un peu chiant. Puis, même sur ce contact, etc. Donc. Là, c'est vrai que j'ai un. Peu importe la position que je vais mettre, j'aurai une meilleure vue déjà. Donc voilà. C'est vrai que c'est pas mal. Je pense qu'on va faire une petite troisième passe au niveau des joues. Donc on va le faire maintenant. Même la mousse, franchement, elle est top. En chargeant très peu, voilà, on a une très très bonne mousse. Bon, on va tenter le coup quand même. Même si je suis pas trop chaud chaud. Ça, tac. Ben, c'est compliqué. Là, malheureusement, je vais pas pouvoir faire autrement. On va faire une troisième passe comme ça. Pour être sûr. Ouais, ça va encore. Le coup, ça va encore.
pas trop appuyé non plus. Parce qu'il faut pas oublier quand même que c'est une lame bien affûtée. Au niveau de la coupure, on va éviter. Oh putain! Ça devrait être bon. Ouais. On va nettoyer tout ça. Je me suis pas mal coupé là. Ça fait vachement longtemps que c'était pas arrivé. Et ça fait vachement mal. Donc voilà, je rince tout ça. On se retrouve tout de suite après. Donc voilà, vidéo terminée. Donc le rasage est bien net. Bon, à part 2-3 coupures là. C'est un peu chiant, mais bon. On va faire ce qu'on peut faire pour remédier à ça, à part la paire d'Alain. Je ne conseille pas sur les coupures parce que ça pique à mort. Après, c'est très bon, justement, pour les micro-coupures. Mais là, c'est un petit peu plus profond, donc je ne vais pas le faire. Voilà. Je tenais à vous informer aussi, du coup, de la nouvelle collaboration que j'ai avec la marque Mansbeer. Donc, je mettrai le logo sûrement ici. Ou alors là, on verra bien. Mansbeer, fabricant français de tout ce qui est produit pour la barbe. Il fait aussi des chavettes et des rasoirs de sûreté, ainsi que des blaireaux, etc. Il n'a pas tant de blaireaux que ça, mais bon, c'est ça, des blaireaux. Il vend vraiment pas mal de choses, mais surtout des produits pour la barbe. Mais voilà, je l'ai contacté il y a quelques temps pour avoir une petite collaboration avec lui, justement. Ça a été favorable. Là, il m'envoie quelques produits. Pour que je puisse les tester en vidéo, donc vous les présenter. 2 minutes. Oh putain. Voilà. Et suite à cette vidéo que je ferai, on verra si on continue ou pas la collaboration. Techniquement, ça devrait continuer. Donc je recevrai une chavette ainsi qu'un gel à raser. Je crois que c'est un savon glisse optimal. Donc le lien de Mansbeer sera dans la description. N'hésitez pas à y aller, c'est vraiment des bons produits. Je le connais de réputation seulement. J'ai pas encore eu la chance de tester vraiment ces produits, mais tous ceux qui les ont testés les ont approuvés. Donc voilà. D'ici un mois environ, pour une vingtaine de jours, je vais recevoir par contre là des savons qui viennent de chez Phoenix Artisan Accoutrement. Donc pareil, je l'ai contacté aussi pour voir, pour tester quelques-uns de ces produits, vu que j'en ai qu'un seul. Voilà, on en a parlé tout ça et je vais recevoir un savon et un gel après rasage. Je dis bien un gel et non un baume ni un après rasage alcoolisé. Et voilà. Du coup, je vais recevoir ça d'ici une vingtaine de jours, je pense. Voilà, comme ça, je pourrais vous présenter ce savon-là et ce gel après rasage. Donc, j'ai pris, si je dis pas de bêtises, c'est chocolat bourbon classique. Donc voilà, je mettrai le lien de Phoenix aussi dans la description, il n'y a pas de souci. Toujours des super produits aussi, donc j'ai pu en tester quelques-uns. Là, je vais recevoir encore un nouveau du coup pour pouvoir le tester réellement et qui vient directement de la marque et non d'un site français, etc. qui les vend. Voilà, donc il y a de fortes chances que vous me retrouvez partenaire avec eux. Donc il y aura mon lien d'affiliation dans la description. Donc si vous souhaitez commander chez eux,
Il suffit juste de cliquer sur le lien dans la description, vous passez votre commande, et voilà. Et en échange, en fait, ça me soutient derrière. Parce que voilà, c'est, on va dire, une petite commission que je vais percevoir pour chaque personne qui commande avec mon lien. Et ça vous permettra de me soutenir si vous le souhaitez. Pour que je puisse par la suite vous proposer des jeux concours à certains prix. Donc voilà, si j'ai vraiment des soutiens de ce genre-là, je vais pouvoir proposer des jeux concours ou offrir un cadeau à un abonné sans trop dépenser de ma poche, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Tous mes liens sont dans la description. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like en dessous de la vidéo. Et à laisser un petit commentaire, je réponds vraiment à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications pour rater aucune prochaine vidéo, bien sûr. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à la fois prochaine, un bon rasage. Ciao.